Bela, Basinza yayo ya vuvama, Dare base tungu ovanza, Ziotele. Mumavata mamo mwa munza tata musambu kya mungwila se tata tela mesa bendela basi nzaya yo ya vuvama kane basi nzungu ovanza ziotele umwale nzaya yo buyena nikuka sora mosi muna tuwa Muma vaka mamo mwa munza, tata musambu kya mungwila se. Luvuva munga mbele, basi nzaya yo ya vuvama. Bonto buna mwa keleza, muna vangulu, tukalu ya tikulu tata. Tata musambu kya mungwila se Tata, tata Songele no kya kuse Basi zaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila se Luvuva mungombele Basi zaya yo ya vuvama Bonto buna mwa kelenza, muna vangulu, tukalu ya tikulu, tata, tata. Songele no kya kuse, basi zaya yo ya karepi, tata musambu kya mungwila se, tata. Musambu kya mungwila se Luvuva mungombele Basi nzaya yo ya vuvama Bonto buna mwa keleza Muna vangulu Tukalu ya tikulu tata Tata Songele no kya kuse Basi nzaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila se Tata, tata Songele no kya kuse Basi nzaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila se Luvuva mungombele Zaya yo ya vuvama Bonto buna mwa keleza Muna vangulu Tukalu ya tikulu Tata Tata Songele no kya kuse Basi zaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila se Tata Sintaya yo ya kalepi Tata musambu kya mungwila se Luvuva mungombele Basi nzaya yo ya vuvama Bonto buna mwa keleza Muna vangulu Tukalu ya tikulu tata Tata musambu kya mungwila se Tata, tata Songele no kya kuse Basi nzaya yo ya kalepi
musambu kya mungwila si. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce. Papa Simon Kiangani, le Saint-Esprit, nous manquons les mots pour vous dire merci. Car il est écrit dans la parole sainte qu'en toutes circonstances, remerciez Dieu. La circonstance qui nous réunit ici humainement, elle est trop dure à supporter. Mais pour toi, notre Dieu, c'est une gloire. Car ton Fils qui t'a servi ici-bas, les jours que tu avais prévus pour lui sont arrivés à terme et tu l'as rappelé auprès de toi. Papa, comme je viens de le dire, humainement, il est difficile de supporter cette séparation. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de consoler nos cœurs, surtout pour la famille biologique qu'il a laissée ici-bas et cette grande famille du kimbanguisme. Ainsi, nous te demandons, Papa, de nous assister, de nous guider pour tout ce qui va se passer ici et partout ailleurs, jusqu'à ce que son corps sera inhumé. Papa, nous te disons encore une fois merci beaucoup pour tout et nous te demandons de nous assister et de nous accompagner pour tout ce que nous allons entreprendre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, premièrement, au nom de la famille, toutes les excuses pour ce retard consommé, indépendamment de sa bonne volonté. Nous allons devoir commencer notre programme d'aujourd'hui à l'occasion de la disparition physique de notre frère, le révérend Ndombala Sita Daniel, représentant légal deuxième citoyen au sein de notre église. Nous venons d'écouter la parole d'accueil par notre pasteur Eugénie Makaya. Là, nous allons commencer notre programme. Nous demandons un chant d'ensemble. Ce qui t'attend au moment long, il y a un chant d'ensemble. Si ma chant d'ensemble, au sein d'un moment conseil général à Afki, Maman Niçoise, avec un niveau soupçon, un niveau de l'air au coussin, pour le banal de l'eau. Levons-nous, s'il vous plaît. Simbanza, et ou cantina, mon qui moi la garde. Simbanza, et toi. Sivatale ukantila mukimana kame Ena mese salukia uzazade Sivatale ukantila mukimana kame Ena mese salukia
salut yangu zanzambi. Tu sali la salut yangzambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tu sali la salut yangzambi mukeleka, enzambipa vangi tokuluka. Tu sali la salut yangzambi mukeleka. Mukeleka, mukeleka, tu zali mukeleka, enzambina mani toa vuluka, ngeyen kwa me de toa, ngeyen kwa me bengu vangwa, wena bonso mono, nga uze ye fulu usinga kwena. Genye kwame me uvangwa wena bonso mono nga uze ye fulu usinga kwena tusalila salut yangzambi mukeleka 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 tusalila salut yangzambi mukeleka enzambima bangita vuluka tusalila salut yangzambi mukeleka 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 tusalila salut yangzambi mukeleka enzambima bangita vuluka. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous te rendons grâce de tout ce que vous faites pour nous. Vous avez vu l'arrivée du corps de Papa Ndongala Sita, votre fils qui a œuvré dans votre champ. Le moment est arrivé, Papa, pour qu'on puisse attendre le programme liturgique, soit avec nous, avec le Papa Pasteur, du début jusqu'à la fin, assiste-nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'occasion du décès de notre frère, nous allons être extrêmement courts, vu le temps que nous avons déjà perdu. Nous allons ainsi lire dans les 10 commandements de Dieu que nous trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 20, 1 à 17. Nous lisons. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant : Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu y travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tu se pour le proche dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Notre texte principal de méditation, nous l'avons tiré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, un seul verset, verset 13. J'indiquerai quelques textes complémentaires pour notre méditation à domicile. Apocalypse 14, 13, il est dit ceci. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs travaux les suivent. Demandez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, éternel notre Dieu, créateur de toutes choses. Papa, c'est moi qui parle bien. Nous te rendons grâce et honneur pour ces moments que tu nous accordes de pouvoir honorer ton Fils qui a œuvré dans ton champ. Il s'agit bien entendu du révérend de la cité Daniel qui nous a quittés depuis le 13 juin de cette année. Papa, il nous est donné de partager à mes frères et sœurs ta parole, elle n'est pas mienne. Viens m'habiter, parler par ma bouche et te tenir par mes jambes, afin que ce qui sera dit ici soit pour nous une sève qui puisse nourrir notre esprit. Accorde-nous ta paix depuis le début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papa et maman, nous venons d'entendre, d'écouter ce que Dieu nous dit dans ce seul verset que nous avons tiré du livre d'Apocalypse. Qu'est-ce qui est dit? Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, puisque dès cet instant de leur mort, leurs œuvres, ce qu'ils ont accompli comme œuvre au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimba, ou toute autre personne, une autre confession, qui aura saintement œuvré véritablement pour son Dieu, les œuvres qu'il aura accomplies, les suivront. Autant dire que papa et maman, nous sommes sur cette terre des hommes, comme papa Simon Kipan le dit si souvent, pour travailler. Travailler conformément à ses instructions. Ces premières instructions sont lesquelles? Ce sont les commandements. Raison pour laquelle, avant de démarrer l'explication de ce texte, nous commençons par lire les commandements. Si nous sommes devant cette situation, et la même situation qui nous guette, tous ensemble, de la même manière qu'il a guetté ceux qui sont partis avant nous, autant dire que nous devons nous y préparer. Nous y préparer comment? C'est par rapport au commandement de Dieu que nous venons de lire dans Exode, chapitre 21 à 17. Quelque part dans la Bible, c'est pour nous envoyer à la réflexion. Dieu a dit dans Matthieu 24, 25, le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, il se trouve que les toutes premières paroles de Dieu prononcées à l'égard des hommes, depuis Adam et Ève, ces paroles, c'était quoi? C'était la loi. Attention, au milieu de vous, il y a un fruit au milieu du jardin qu'il ne faudra pas consommer. C'était déjà une loi. Il ne l'avait pas respecté. Est arrivée les sanctions contre le serpent, contre Ève, contre Adam. Et dans ces sanctions-là, il est dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et comme le ciel et la terre
passeront et que sa parole ne passera pas. Et voilà ce qui nous arrive. Puisque la parole du Seigneur ne passera pas, ce qui a été dit contre envers Adam et Ève, et ça nous a enlevé toute espérance de l'éternité ici-bas. C'est pourquoi nous mourons. Tata et maman, ça veut dire que les moments sont extrêmement difficiles. Mais par rapport à Misala, quand il avait dit qu'il va être extrêmement beau, ce corps qui est devant nous est devenu un corps incorruptible. Puisque pendant le moment-là, il ne pourra plus pécher. Pour le corps incorruptible, nous tous là, si nous devons un jour être incorruptibles, il faut que nous mourions d'abord pour revêtir le corps incorruptible. Ce corps-là, quand il était encore en vie, il a servi son Dieu. Il a travaillé. Il n'a pas renié son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Dieu n'aime pas la mort des pécheurs. Il était pécheur pour nous. Nous le sommes aujourd'hui. Mais Dieu aime ceux qui changent, ceux qui confessent leur péché et ceux qui le suivent jusqu'au bout. Ceux qui travaillent instantanément pour lui. Peut-être à un moment, ce que nous faisons au sein de son Église, ne considérons pas qu'il y a des grandes choses et des petites choses. Toutes choses que nous faisons, nous devons donner à ces choses-là une énorme considération. Il est dans la catégorie des personnes qu'on appelle les inspirés. Les inspirés. Une fois, je causais avec papa, feu papa, Maurice Kitele, centre d'accueil. Il m'a parlé de la vie de papa Diangenda, depuis mon coteau jusqu'au centre, comment il vivait. Il me dira ceci, un jour, il va trouver papa Diangenda sur son piano, son synthétiseur, en train de jouer de la musique. Mais il trouve papa en train de pleurer presque. Les larmes lui coulaient des yeux. Papa dit, viens là. Papa dit, elle était affolée. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il court à vite vers papa. Papa dit, Kamoni. Papa dit, mon fils, voilà les choses que mon père m'a montrées. Pourquoi je pleure? Excusez-moi, je ne les dirai pas ici. Je n'ai pas reçu l'autorisation, mais moi je sais ce que papa dit, tel m'avait dit. Je ne sais pas si papa avait fait ce témoignage au pays. Mais là-dedans, dans les cantiques que papa Diangenda a joué sur le piano, les paroles n'étaient pas connues. Et parmi ces cantiques-là, il y avait « Et tatange wa fila vanta, moussala salukia kuse » Nous connaissons cette chanson. Les paroles à cette époque-là n'étaient pas encore connues. Il a fallu attendre plusieurs années pour que notre frère qui est là, Papa Noga la Cité Daniel, ait eu le privilège que Nzam et Tata Moulimo Centre ait coupé sa Yemalobawala. Tata maman, on peut penser que c'est peu de choses. Quand papa dit que les inspirés, les analyses sanana yango, tout comme Adam Olisekite. Donc, il a fait son travail, indépendamment de tout ce qu'il a fait, de bien ou de mal, des titres qu'il a eu au sein de l'Église. Mais Dieu peut nous utiliser pour un petit truc, peut-être insignifiant aux yeux de certains nombres de gens. Mais fondamental, vous donnez, voilà un message pour nous amener à aller là. Un jour, devant son piano, à titre message, donc quelque part, moi je me dis, Révérend Nomala a fait sa mission. Si c'était la principale mission, il aura fait cette mission-là. C'est pourquoi peut-être ma maman, pas une nuance aux années, pour ça, n'avait surtout qu'à matin au sérieux, quel que soit l'Ikambo, pas couper sa mission. Un jour, parents désinspirés, j'arrive en Kamba, parce que ma maman a dit, reçoit.
Quand le temps, les jeunes inspirés venaient me voir, oh, pasteur, voilà, nous sommes des inspirés techniques, scientifiques, et tout, nous recevons, donc à me bêler. Est-ce que vous pouvez nous aider? Ah, écoute, moi, il faut que je me réfère à papa. Je vais voir papa, papa. T'as là, vos enfants vont inspirer de Gamba Sekimichi, qui sollicite auprès de moi. Est-ce que c'est pas structuré? Comment ces trucs-là? C'est... Papa me dit ceci. Salissa bango ndenge yoko kela ko salissa bango melikambo na bango yaba inspiré et salina yelo sedeni bango nyon son ami un jour ba ko voir na yelo sedeni ça j'ai entendu ça de la bouche de papa ou nous sont bien inspirés ba ki ne ko voir na yelo sedeni les inspirés scientifiques nyon sont bien inspirés pour ça na yelo sedeni na yelo sedeni na bomba de kango. Peut-être que maman, les lois, il faut que nous autres avons sauté, et les gens avaient sauté en tant qu'inspiré, la Dieu nous s'est mis à compte. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Conclusion de la vie, qu'on a dans Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Peut-être un moment, ils sont tous morts. La espérance au Kamata, ma cambo est belle. Avant d'aller au salaire, papa, l'obi, il faut n'a tombé en arbre. Avant d'aller au salaire, papa, l'obi, il faut n'a comme un moutou boyé. L'obi, ah non, ça l'a l'ingomba, l'obi, n'a pas les sika boyé. Mais t'as mal, l'obi, c'est dans la foi qui sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc, ce qui est le cas, il est. Mais ils les ont vus et salués au loin. Dans mon élo, oh yo, il y a papa qui a dit que c'est un peu de monde, assis à mon yang au loin. Peut-être que je connais un peu de monde, mais je connais un peu de monde, assis à mon yang déjà. Pour nous, il a confié dans la foi. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, tu peux saluer le monde. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je n'ai pas votre pensée. Tu vas voir ma
Fils et du Saint-Esprit. Nous avons du retard par rapport à l'horaire des vieux. Donc nous allons raccourcir tout. Nous allons commencer par les salutations. Ensuite, nous lirons la biographie. Il y aura un mot préparé par les inspirés. Un mot de la famille. L'animation par la famille. Je ne sais pas, ça c'est en fonction de l'heure. Des filles d'honneur, pose des fleurs et enfin le mot et la prière finale de la conseillère directe, Maman Moïlou Marie. Il est prévu également un pot au 17 boulevard de la Libération au métro Saint-Denis. Je crois que nous connaissons là où il y a des locations de salles derrière la gare de Saint-Denis. Là où se trouve le fleuve, en face du fleuve, donc nous connaissons. Bon, pour les salutations, comme il est de coutume dans notre église, nous allons saluer la famille, les amis, les connaissances, tous ceux qui ont voulu venir assister à cette levée de corps. Nous demandons à la fanfare. Saluer les membres de la famille, les enfants, les amis, les connaissances au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci. Nous allons saluer la communauté kimbanguiste. Nous venons de partout en France et il y en a qui sont venus des autres pays. Nous allons donc nous saluer comme c'est le coutume dans l'église. Fakir.
Accueillons-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Nous allons saluer tout le corps ecclésiastique, les catéchistes, les diacres, les pasteurs, les conseillers, les pasteurs paroissiaux, maman conseillère générale de la FRI et tous les autres ecclésiastes que je n'ai pas cités. Fakir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons à notre présence maman conseillère directe dans la hiérarchie de l'Église qui m'administre, le chef spirituel, Papa Simon qui va vous accompagner, a comme conseiller direct ses frères et sœurs, c'est-à-dire la descendance de Papa Simon qui va vous. Et parmi ces descendants, nous avons l'honneur de voir maman qui est venue, parce que Papa Dongala, vraiment, c'est son petit, comme on peut dire. Elle est venue à plusieurs niveaux, d'autres que je dirais. Mais elle n'est pas là uniquement parce que c'est la conseillère directe, mais parce qu'il y a d'autres liens profonds qui la lient avec notre frère. Maman, nous prions de bien vouloir de lui. Fabien. Notre maman avec clameur et joie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ma fille vous assoit. Nous allons, en quelques mots, détailler le parcours du révérend représentant légal du deuxième suppléant, Papa Dongala. Comme vous l'avez entendu, ce ne sont pas des éloges qui sont superficiels. Effectivement, Papa Dongala, c'était un profond travailleur de Papa Simon Kimbangu. Il est né le 17 février 1953 à Bokolundu, département du Toul au Congo-Brazzaville. Ensuite, après l'école primaire, il est allé à l'université où il a obtenu le CAPEL de
mathématiques. C'est un certificat qu'on donne pour être professeur de lycée. Donc, il a exercé après ses études, il a eu le diplôme, il a exercé cette fonction de professeur de mathématiques pendant 5 ans au lycée Savoyen de Brazza. Aujourd'hui, il y en a qui l'appellent le lycée de la Libération. Donc, il a enseigné là-bas pendant 5 ans. Mais, entre-temps, Papa Togala, il était aussi fidèle tripandiste. Il chantait dans Jétéki d'abord. Il chantait la basse dans Jétéki, il avait 15 ans. Ensuite, ils ont créé la Koleki dans les années 74-75. Ils ont créé en collaboration avec beaucoup de frères, hein, Papa Joseph, Papa Samir, Papa Gandou. Enfin, il y avait les uns venaient de la chorale C, d'autres du Jétéki, et ils ont créé la Koleki, cette chorale qui est née après les retraites spirituelles de 1972-73. C'est des moments de grandes prières, c'est des moments de grands sacrifices où on faisait 3 jours pendant la retraite, vous mangez mardi, vous venez remanger samedi. Donc pendant les 3 jours, nous restions affamés. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à se prononcer, à se faire voir devant ses enfants. Les uns se sont mis à capter des chansons, d'autres se sont mis à voir des visions, il y en a qui ont prophétisé, etc. Il y a eu des choses extrêmement sérieuses qui se sont passées après les retraites spirituelles. Entre autres, je peux vous dire qu'il y a eu un président congolais à la réserve, et c'était dans le groupe de Papa Togala qu'ils avaient vu ça. Quand ils sont allés dire ça au Bambouda, on dit attention, nous on ne fait pas la politique, ce que vous avez vu, faites comme si vous n'avez rien vu. Le président là était bien parti. Et puis ensuite, après cette période, d'ailleurs je reviens sur cette période parce qu'il y avait une chanson qui avait fait fureur dans le temps, c'était Jikumata. C'était sa chanson. Jikumata Adalis Kubaye, Yukumuke, c'est lui. Et il y a eu la traduction de cette chanson, toujours, c'est les effets de la retraite spirituelle. Il y a eu donc la traduction qui était captée soit par Maman Wadego ou Maman Alice Mouko. Donc, c'était des périodes de grande spiritualité où Papa Simon Kibango venait se révéler vers ses enfants. Alors, donc, ensuite, après le séjour de Brazzaville, il est venu en Europe. Il est venu en Europe, il s'est mis à travailler comme intendant et chef de service intérieur à la caisse de dépôt et consignation. C'était dans Paris, je me rappelle que vous allez le voir là-bas, la même bureau. Je me rappelle même, c'était à côté du Parti Socialiste, du siège du Parti Socialiste. C'est là-bas qu'il a travaillé. Et ensuite, au bout d'un moment, il a créé son entreprise et il a gardé cette entreprise jusqu'à la fin de sa vie. Donc, c'était une entreprise type SARL, livraison, véhicules. Donc, il a vraiment beaucoup aidé l'Église dans ce sens-là. Et dans cette entreprise, un événement a eu lieu. Ce jour-là, c'était quoi? Il fallait qu'il aille aider quelqu'un pour livrer des choses à Poitiers. À Poitiers. Donc, moi, je savais qu'il partait là-bas. Dans la bonne route, on se verra quand tu es allé avec son véhicule. Et là-bas, pendant qu'il déménageait, il y avait une peau de reptile. En enlevant les choses, les effets, il a vu une peau de reptile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piétiné cette peau-là. Il a piétiné. Alors, le propriétaire, quand il allait le voir, Papa Togala en train de piétiner cette peau-là. Il dit, oh, mais qu'est-ce que tu piétines là? Oh non, mais ça c'est
vraiment, enfin, il n'aimait pas tout ce qui était occulte. Il parlait même des idées maçonniques. Il y a des gens qui ont des idées maçonniques. Donc, il n'aime pas. Il a piétiné ça. Et ils ont déménagé. Et le propriétaire n'a plus le courage de prendre cette peau-là. Ils ont déménagé et quelques jours après, j'entends que la peau-là avait pourri. Elle puait dans la maison, là où on l'avait laissée. La peau-là avait pourri. Donc, c'était quelque chose d'occulte. Et comme je vous dis, les inspirés, c'est des gens d'un autre niveau. Il avait vu ça. Il avait vu que quelque chose de mauvais était là, une inquiétude. Il a écrasé. Et lui-même, par rapport à moi, j'ai dit, mais ce que tu as fait là, c'est toi. Non, 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 moi je ne peux pas aller avec les hypocrites. Bon. Alors, ensuite. Durant son séjour, donc, quand il a laissé sa fonction, en même temps, dans cette période-là, il y avait la chorale de fraternité. C'était une paroisse qu'on appelle la paroisse de Vincennes, et lui, il était le dirigeant. L'un des dirigeants, avec papa Camusa, il était l'un des dirigeants de la chorale de la fraternité. Ensuite, il était aussi le directeur du protocole. Donc, le voyage de papa Yakim, de papa Koundé, c'est lui qui gérait tout ça. Vous savez, dans le temps, en partant de Belgique, papa, pour venir en France, il fallait le visa, des formalités, c'est pas comme aujourd'hui avec le Schengen. Mais dans le temps, il fallait le visa, tout ça. C'est pas comme tout à l'heure, c'était le Schengen. Ensuite, en 1995, il est devenu pasteur national adjoint chargé des églises sœurs, des relations avec les églises sœurs. Donc ça, c'était à partir de 1995. Il a eu cette fonction. Et donc, il a laissé le poste du directeur du protocole et il est devenu pasteur national. Ensuite, il y a eu la création de la paroisse de Lumière. La paroisse de Lumière a été créée. Il y avait papa de Nala, il y avait moi. Il y avait. Et donc, nous avions demandé l'autorisation auprès de notamment ici présent qui nous a donné le feu vert. Et il est donc parmi les cofondateurs de la paroisse de Lumière qu'on appelle aujourd'hui la paroisse de Montreuil. Quand on a créé ça, on se retrouvait à quatre avec papa Mouraquissé, j'ai oublié, on s'était retrouvé à quatre pour structurer. La vie de cette paroisse qui a conduit quand même là-bas à Montreuil. Donc lui, il était l'un des fondateurs de cette paroisse. Ensuite, la vie qu'on mène l'a ramené à Brazzaville. À Brazzaville, il avait envie de créer un parti politique parce que le moment aussi est là où il a voulu créer un parti. Et à un moment donné, l'un des conseillers du chef spirituel a dit non, attends, ce n'est pas le moment, nous vous ferons signe quand le moment sera venu parce que de toute façon, comme les papas l'ont dit, tout est tout à fait. Donc, comme nous l'avons entendu dans la prédication aussi, que donc je disais que il a donc du coup il a été secrétaire général du parti dont j'ai oublié le nom, mais le président c'était M. Bonaventure Baya, qui avait même demandé qui avait eu l'autorisation à Papa Simon Fimamoufou pour trouver une place pour l'exercice du banc de Brazzaville. Donc il a été secrétaire général de ça. Et puis, sa dernière fonction, il était directeur des marchés publics de la municipalité de Brazzaville.
Donc voilà le parcours. Finalement, bon, il souffrait d'une maladie qui l'a rattrapé. Papa Simon Bortangani lui a dit en Kaba, est-ce que toi tes papiers sont en règle? Le temps, non, papa, ils sont périls. Va à Brazzaville, va régulariser tes papiers, tu en auras besoin. Et donc, il est venu à Brazzaville, il a régularisé ses papiers. Et la maladie s'est enlevée, il est venu en Europe, et puis bon, il nous a laissé le 13 juin 2020 à l'hôpital de Jésus sur Orge. Voilà, brièvement, ce que nous pouvons dire sur Papa Dogana. C'est pas si désinspiré. La chorale, Papa, sur laquelle elle est là. Elle n'est pas là. Vous êtes là? Voilà, il y a une délégation. Vous voulez donner un chant? Délégation. Mais bon, pour la suite du programme, je pense que vous voyez bien que l'heure est passée. Nous allons donner la parole aux enfants. Et puis, lorsque la famille et les enfants se seront exprimés, nous passerons au dépôt de fleurs. Après le dépôt de fleurs, maman conseillère directe va clôturer le programme. Fatih. Mais les enfants voulaient parler. Après Fatih, les enfants. Après les enfants, nous allons faire le dépôt des fleurs, tout ce qui va se passer, et à la fin, maman conseillère va prendre le programme. Papa, tu étais un fils, tu étais un frère, tu étais un oncle, un mari, un père, notre père. Et surtout, tu étais un enfant de notre Dieu Tout-Puissant. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu étais de ceux qui avaient des dons, de ceux qui étaient imprégnés du Saint-Esprit. Papa, tu captais des chansons. Des chansons qui, encore aujourd'hui, sont chantées dans le monde entier. Tu étais une personne entière, entière parce que tu donnais tout pour les autres. Tu avais un grand cœur, tu as aidé tant de monde autour de toi, et beaucoup ici présents peuvent en témoigner. Tu étais aussi un intellectuel. Je me souviens encore de toutes ces soirées à travailler les mathématiques, qui étaient ta matière favorite, puisqu'il n'y a pas d'heure. Et d'autres encore, ici présents, ont les mêmes souvenirs. Tu avais une joie de vivre contagieuse. Qui ici n'a pas rigolé avec toi ou à tes blagues? Malheureusement, papa, la maladie t'a emporté. Dans ton séjour à l'hôpital, tu nous as témoigné ton amour pour nous, entre autres au travers de ces paroles. Je vais dire aux médecins que je vais rentrer chez moi et les enfants pour s'occuper de moi. Et nous t'avons témoigné notre amour pour toi,
un amour tellement réciproque que nous attendions avec impatience au jour de sortie, pour savourer les moments intenses de chacune de nos vies. Dieu en a décidé autrement. Tu nous manqueras, tu nous manques, mais tu seras toujours présent à nos côtés et dans nos cœurs. Être ton ami après que la terre te soit prospère. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet et cela fait un mois et 7 jours que notre papa, notre pasteur, notre oncle, papy et frère nous a quittés. Mon papa était un homme bienveillant, à l'écoute et un homme gentil et surtout avec un grand cœur. C'était mon meilleur ami, la première personne que j'appelais quand j'avais un problème. En août 2019, quand je suis partie au Congo pour le voir, il était en très bonne santé. Il me parlait, rigolait, se confiait à moi. Il me disait toujours que j'étais sa maman car je le ressentais beaucoup. Il me gâtait, était un petit papa poule. Jamais j'aurais pu croire que d'aujourd'hui il ne serait plus parmi nous. Mais bon, j'en retiens que du positif. Durant tout son parcours à l'hôpital, je l'ai accompagné. Il me dit toujours, ma fille, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. On ira à la Tour Eiffel. Pendant le confinement, il me chantait des musiques au téléphone. Encore une fois, il rigolait comme toujours. Il était toujours souriant. Il me disait, maman, t'inquiète pas, je vais bientôt sortir. Tout ça pour me préserver, aimant comme il était. Mon papa était ma vie, mon premier meilleur ami. Je n'ai pas vécu très longtemps avec, mais je me confiais plus à lui qu'à ma maman, car c'était vraiment mon journal intime. Aujourd'hui, je ne te dis pas adieu, mais je te souhaite un bon voyage, car je sais que là où tu es parti, le Seigneur va bien t'accueillir, car tu es mérité. Et je sais que tu resteras toujours près de moi. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas t'accompagner à ta dernière demeure. Comme tu me disais souvent, loin des yeux, mais près du cœur, mon ange gardien à jamais. Merci pour tout, papa. Je t'aime fort et je ne t'oublierai jamais. Je sais que toi aussi, tu ne m'abandonneras jamais.
se réveille. Quelques minutes pour ton défilé, pour la possibilité de ça, de bon avis.
Heureux l'homme qui meurt dans le Seigneur. Dengue Bible et l'obéli biso. Papa Nongara, salut mon salam mon nene. Nzambe la gana zane si bon misili esika. Yo nzambe, ozala kana yo reconnaissant. Ozali loko la biso batute. Yo nzambe, otala kata ya mouke oto kosaka li boso na yo. Papa tikete. Ma ye komeni papa Nongara, biso peto yeba un jour. Bâtir une affaire étrangère. Bâtir la rapisson va aller. Ce qui année ou année coquille, aux zones qui la source. Léno, papa de Longala, aux zones à la source. Naïe, vous salak, vous salak, naïe, pitok. Ma boumé, coquille, vous zangate, le voilà, mon tournure, son patin à mon fini. Mais n'y a lobby, nous avons allié reconnaissant et juste. Merci, papa. Si vous avez été, il y a des choses qui sont allées. Papa, tes confinements, oui, Yaki, et tes biso mingi, ton moni peut m'accompagner. Mais tant qu'on va déconfiner, biso, est-ce que tu as les mêmes personnes qu'on était avant? Nandimité, tu as dit déconfiner, mais de là, tu vas masse. Moi, je te fais un amour des alités. Si tu es sur son lit, ça m'a dit, mon copain. Nous autres, on a eu que le copé m'a en paix, on n'est pas les alités pour qu'il y ait. Ils sont peu baillés pour dire qu'à la papa, nous avons zong à la banda. Zong, ça manque au moment de la timia. N'a pas envoyé à tata, moi, n'a pas tata, mon bon sang. Amen. Thank you.
Bon, ok, avant que tu entendes, le 31, si tu es là, voici le dernier. Tata,
nzaya yo ya kalepi tata musambu kya mungwila si tata tata songelelo kya kuse basi nzaya yo ya kalepi tata musambu kya mungwila si.